que c'était, j'ai pas eu le temps de voir. Un monstre gigantesque en tout cas, et qui s'est emparé du capitaine. Oh le pauvre! Il a été sacrifié sur l'autel de la jouissance extrême extraterrestre. Suivons ce géant, il faut sauver Picon. Grâce à une technique ancestrale métazède, je peux pister le monstre reniflant les effluves de son rite bestial. Je peux même vous assurer qu'il s'agit d'une femelle. Je m'interroge sur l'accord passé entre les Gangas Bangas et ce monstre géant. Pourquoi lui fournir des hommes en sacrifice? La bête les protégerait-elle des pinosaures? Cette créature doit être gigantesque! C'est alors, mais vous avez raison. Imaginez un peu la taille de cette chose. D'après cette empreinte de pas, on peut l'évaluer à 20 mètres de haut environ. 20 mètres? Mais elle doit avoir des nibards énormes! Rien qu'à téton déjà, ça doit être gigantesque. De quoi téter pendant des heures. Et son clito? Vous voyez un peu le truc, les gars? Il est plus grand que n'importe quelle bite d'entre vous! Allons, cessez de vous exciter, monsieur, et reprenons la poursuite.
Comment va-t-on traverser ça, à votre avis? C'est sans problème, chef. J'ai toujours un bateau pneumatique avec moi. Parfait. Il n'y a plus qu'à le gonfler. Au travail. Rah. Par contre, je n'ai pas de gonfleur. Bah oui, voyons, pourquoi j'aurais ça avec moi? Aucune importance. Luxura, vous allez pomper. Ça tombe bien. C'est ma spécialité. Je suis encore toute mouillée. Ah.